Bonjour Mina, merci à toi de nous recevoir. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc tu nous présentes aujourd'hui ton bac. Oui, c'est un bac de 250 litres, composé de coraux durs et mous. Et, oui, tu as une belle population, je crois. C'est un bac mixte. Et voilà, et là j'ai préféré mettre plus de filia parce que j'aime bien les couleurs, j'aime bien leur mouvement avec l'eau et c'est agréable à voir, moi je trouve. Tu peux nous en dire plus sur ta technique de maintenance? Oui, avec plaisir. Ah ben pour maintenir les paramètres, ben je fais tout simplement un changement d'eau de 10% par semaine. Et pour le baling, ben je fais le baling classique, tout simplement. Bah pour l'éclairage, j'utilise deux cubes aquamédic et une lampe plate sur l'avant, comme vous voyez. Bah, l'éclairage se donne bien, moi je suis satisfaite. Les coraux, je vois qu'ils se portent bien, donc tout va bien. Alors, tu utilises aussi un kit Tunes complet 9012, le clipper 9012 et un filtre de surface. Tu en es satisfait? Oui, amplement, amplement. Je vois que mes coraux ils se portent bien, donc ce qui m'intéresse c'est le résultat en fait. Donc le matériel, non, je ne me plains pas. Niveau matériel, je ne me plains pas. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir au niveau de ton bac ou... Bah écoutez, c'est une passion, donc on a toujours envie d'évoluer, de faire de nouveaux trucs. Bah, j'aimerais bien faire un peu plus grand pour mettre plus, peut-être plus d'espèces. Il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup d'espèces de coraux qui sont vraiment super beaux, mais malheureusement, je n'ai pas la place. Bah, c'est ça mon projet, avoir voilà. Un peu de place peu pour près. En mettre un peu plus. D'accord, ben, on te remercie beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, merci à vous. À bientôt pour un prochain épisode de Riff & Geek à la maison. Oui, merci beaucoup et bonne continuation à vous.